Un tournoi national de robotique et d'intelligence artificielle a été lancé mardi 2 mai à Abidjan. À l'initiative, l'association Elite, la start-up DACMotion et l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'objectif étant de faire de la Côte d'Ivoire un hub technologique, une Eburnie Valley. C'est notre intérêt à tous de développer l'intelligence artificielle à notre profit et non contre nous. Parce que l'enjeu est de taille. Si nous ne nous mettons pas l'intelligence artificielle, ça va gérer notre vie, mais pas à notre faveur. Puisque les solutions qui vont venir ne seront pas conçues par nous. Ça serait conçu par d'autres, mais ce n'est pas la même réalité. Donc, c'est important que les Africains aussi maîtrisent la technologie pour appliquer cette technologie-là à la résolution de leurs propres problèmes. On a beaucoup entendu parler de la Silicon Valley en Californie, qui réunit tous les géants de la tech, hein, comme les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et bien d'autres. Alors, nous voulons avoir en Côte d'Ivoire une Eburnie Valley. Et bien sûr, nous le pouvons. Nous avons les compétences. Et c'est pour ça que DACMotion, par exemple, se tourne vers les filles et fils du pays. Parce que nous sommes conscients que la compétence est déjà là. Ce tournoi de robotique nationale qui se tient du 2 mai au 15 novembre est ouvert à tous. Il se déroulera en deux phases, une présélection théorique et une phase technique dont l'évaluation sera faite par un expert.